Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo vlog slash motivation ménage slash routine d'un vendredi sur deux. En bref, je vais vous montrer ce que je fais le vendredi, ou du moins un vendredi sur deux, avant l'arrivée de ma fille, puisque si vous ne le savez pas encore, je suis séparée en fait du papa, donc je n'ai pas ma fille tout le temps avec moi. Et lorsqu'elle vient à la maison, je tiens à être organisée, je tiens à ce que la maison soit nickel parce que je veux qu'elle lui soit agréable et saine tout simplement, bien qu'elle le soit en temps normal aussi, mais voilà, encore plus les week-ends avec ma fille. Et surtout je veux pouvoir profiter d'elle à fond pendant le week-end, je veux pas avoir du ménage ou de la cuisine à faire, en tout cas pas beaucoup, et je veux qu'elle puisse profiter à fond de sa maman, donc c'est important pour moi que je sois disponible et que je n'ai pas beaucoup d'autres tâches à accomplir. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc là il est pratiquement 9h, si vous avez déjà vu ma vidéo routine du matin, bah vous savez ce que j'ai fait juste avant ce moment, juste avant d'être prête. Donc par contre ce matin j'ai lavé mes cheveux, je le fais environ un vendredi sur deux en fait, parce que pendant longtemps je les lavais une fois par semaine. Et j'ai tellement eu cette habitude que désormais ils graissent très très lentement. Et du coup en fait au bout d'une semaine bien souvent ils ne sont pas gras. Donc voilà, je les ai lavés ce matin et c'est à peu près ce rythme là pour mon lavage de cheveux. Et donc je suis prête. Alors j'ai juste commencé un petit peu le meal prep ce matin. Vous le verrez par la suite. Puisque je vais vous faire en fait une vidéo en voix off, ce sera plus simple pour moi. Je voulais juste introduire quand même de vive voix. Mais voilà, j'ai quand même commencé le meal prep ce matin, pardon, en parallèle de ma routine du matin, tout simplement parce que c'était de la cuisson, et c'était de la cuisson plutôt longue de légumineuses. Par exemple les pois chiches c'est 1h30, les haricots rouges à peu près pareil. Voilà, du coup j'ai pris de l'avance là-dessus, je les avais fait tremper hier soir. Mais sinon c'est tout, je vais tout faire avec vous. Donc ma foi c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette petite journée et j'espère que ça pourra vous donner des idées pour vous organiser. Là moi c'est pour le week-end avec ma fille, mais ça pourrait être vous pour la semaine de travail par exemple. Et j'espère que ça pourra aussi vous motiver si jamais c'est un jour où vous devez faire le ménage ou quoi, et ben voilà, que ça puisse peut-être un peu vous motiver. Bref, je vous laisse avec la suite des images. Alors je commence par le rangement. Ce jour-là j'avais pas mal de vêtements à ranger puisqu'on avait une lessive qui était propre et sèche. Donc je range tout à sa place dans le dressing, c'est-à-dire en fait dans le placard de ma chambre. Je range tout ici, que ce soit mes vêtements, ceux de mon chéri ou ceux de ma fille, ainsi que le linge de lit, parce que bah, c'est le seul placard mural que j'ai à la maison en fait. Et au lieu d'encombrer les autres pièces avec des meubles de rangement, je préfère tout ranger à cet endroit-là. Ensuite je ferme la fenêtre parce que la chambre est suffisamment aérée à mon goût et je refais le lit. En fait je fais toujours ça pour le coup tous les matins, je plie la couette, j'ouvre la fenêtre pour aérer et seulement un petit moment après, une fois que la chambre est bien aérée, eh bien je referme et je fais le lit. Je peux pas faire le lit tout de suite après le réveil, c'est pas possible. J'ai absolument besoin de renouveler l'air. Je ramasse 2-3 bricoles qu'il fallait que je mette dans mon sac à dos pour le trajet de l'après-midi. Et je n'oublie pas de brancher la veilleuse de ma fille pour qu'elle ne s'éteigne pas dans la nuit. Donc ça c'est vraiment de l'anticipation. Ensuite, tant qu'à être à l'étage, je passe au ménage de la salle de bain. Donc j'utilise uniquement du vinaigre blanc, c'est ce que vous voyez en fait dans cette bouteille que j'ai récupérée. Avec une microfibre, je passe sur le miroir pour bien le nettoyer, puis je nettoie bien le lavabo, le robinet, toute la surface à côté. Également le miroir de la salle de bain, donc toujours pareil avec du vinaigre blanc et la même microfibre. Généralement une microfibre me suffit pour faire toute ma salle de bain puisqu'elle n'est pas très grande. Avec une brosse à dents usagée, je nettoie le fond de la baignoire, de la douche, pardon. Donc voilà, je frotte bien, pareil, avec du vinaigre blanc. Je frotte également la vitre, en fait, de la douche, donc côté intérieur et côté extérieur aussi. Ça, je le fais avec la microfibre, pour le coup. Et je rince avec de l'eau bien bouillante pour tout enlever. Il faut savoir que nous on se lave au savon de Marseille et si jamais c'est votre cas, sachez que parfois ça peut graisser un peu les canalisations et favoriser tout ce qui est bouchon. Donc il faut bien entretenir en fait sa douche régulièrement. Je passe un petit coup de microfibre entre les lames du radiateur si on veut.
Et une fois que j'ai fini le ménage de la salle de bain, je passe dans la cuisine pour préparer les repas du week-end. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais uniquement le week-end où ma fille va être avec moi. Je ne le fais pas forcément les autres week-ends parce que quand je suis toute seule, ça ne me dérange pas de cuisiner. Mais voilà, là je veux absolument que tout soit prêt lorsqu'elle arrive, ou en tout cas la plus grosse partie, afin de ne pas perdre trop de temps en cuisine et de pouvoir profiter d'elle. Donc là mon chéri était venu un petit peu avec moi en cuisine. Et donc je préparais un houmous. Et voilà, donc là je préparais plein de bonnes choses que je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais j'essaie d'optimiser le temps. En fait, ce que je fais généralement, c'est que la veille au soir, donc le jeudi soir, je fais une petite liste d'idées de repas avec ce que j'ai déjà à la maison. Et si besoin, je complète avec une petite liste de courses lorsqu'il me manque des choses. Par exemple, ce matin-là, il me manquait du lait de coco pour faire des plats que j'ai préparés. Et je voulais aussi qu'on achète quelques yaourts végétaux parce que ma fille avait été un peu malade la veille. Donc je me suis dit qu'en cas de gastro, ce serait pas mal les yaourts. Et en plus, j'avais des probiotiques à la maison spéciaux plutôt, pour les enfants aromatisés à la myrtille. Donc je me suis dit que les probiotiques ne pourraient que lui faire du bien en cas de diarrhée. Bon, au final, là, à l'heure où je monte la vidéo, elle va beaucoup mieux. Donc au final, elle a même pas voulu manger de yaourt. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'elle aille mieux. Bref, tout ça pour dire que, en général, je fais en sorte de ne pas avoir besoin de racheter des choses. Mais si besoin est, y a pas de souci, on va aux courses. Ensuite, je passe au ménage des toilettes. Donc, je vais pas vous le montrer parce que je vous ferai, je pense, une vidéo à part. En fait, j'ai découvert une astuce pour détartrer le fond des toilettes et ça marche vraiment super bien. À moindre coût, c'est écologique, c'est zéro déchet, bref, j'adore. Ensuite, je nettoie le lavabo et le robinet des toilettes, justement, pour que tout soit bien propre. Puis je passe dans le salon et avec une microfibre et du vinaigre blanc, je nettoie les tapis. Ce sont des tapis de gym Ikea qui se plient, ils sont vraiment super bien. Une fois qu'on les déplie, il y a vraiment beaucoup de place pour jouer dessus, pour faire des roulades, tout ce qu'on veut. Nous, on joue dessus parce que j'ai du carrelage, donc je veux pas que ma fille ait froid. Mais par contre, ça prend assez facilement les petites saletés et les poussières, surtout que nous, on a un chat. Moi, j'en utilise un le matin pour mon yoga. Donc bref, tous les vendredis, je les nettoie bien. Et surtout, le vendredi où ma fille arrive, je les nettoie à fond. Et je vais également faire un petit peu les poussières dans le salon, voilà, sur les rebords des fenêtres, sur les surfaces, la table basse, la petite table de ma fille. Voilà. Je fais les poussières un petit peu partout. Et ensuite, je passe à l'aspirateur, le super aspirateur que j'ai eu pour Noël. Bon, il est midi et demi, ça y est, on va pouvoir manger. Mais je vous montre juste ce que j'ai préparé comme meal prep. Donc là, on a un mélange de haricots rouges, carottes, maïs, avec une sauce un petit peu au coulis de tomate. J'avais mis un bouillon de légumes, du laurier, tout ça. Et on pourra manger ça soit avec du riz, soit avec, je pensais, peut-être des pommes de terre. J'ai justement fait cuire plein de riz ici pour les différentes préparations. Là, on a un curry pois chiche chou-fleur avec des oignons. Donc, j'ai mis du lait de coco et du curry. C'est très très bon. Là, c'est une espèce de sauce que j'ai faite avec le restant de haricots rouges. Donc, j'ai tout simplement mis des haricots rouges, des carottes. Et qu'est-ce que j'ai mis ? Pareil, du laurier, bouillon de légumes, un petit peu de coulis de tomate. Et ici, j'ai oublié de vous dire, mais il y a aussi des lentilles vertes. Cuite, voilà. Et donc ça, j'ai mixé en fait pour faire une espèce de sauce qui peut accompagner des pâtes, du riz, tout ce qu'on veut en fait. Là, c'est un gratin poireau béchamel, donc avec une béchamel vegan, c'est pour ça qu'elle est encore vachement liquide. Ça se tient pas aussi bien qu'une vraie, mais par contre c'est très bon. C'est juste un peu plus sucré parce que j'ai utilisé du lait de riz. Et sur le dessus, c'est un mélange de noix de cajou, levure maltée et ail séché. Vous entendez du bruit, c'est parce qu'on fait à manger. Et ici, j'ai découpé quelques crudités pour tremper dans le houmous que j'ai préparé, qui est déjà au frigo, mais je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, c'est un dalle de lentilles corail, donc j'ai mis des lentilles corail, des carottes, du lait de coco et du curry. Et ma foi, c'est bon. Je crois que je vous ai tout montré. Donc voilà, ça m'a pris environ 1h30, 2h en tout de préparer tout ça, sans le temps de cuisson des légumineuses, parce que ça, pour le coup, je le compte pas. Je pouvais faire d'autres choses pendant ce temps-là.
Maintenant que ça a refroidi, je vais remettre les couvercles et ça va tout aller au frigo. Et comme ça, je n'aurai pas grand chose à faire ce week-end. On va pouvoir manger. Donc ce midi, c'est un œuf au plat, un demi-avocat et un reste de riz à la ratatouille que j'avais fait dans les derniers jours. Comme ça, c'est rapide, il n'y a rien à cuisiner de plus. Je pense que j'en ai bien assez fait. Et on va regarder ça devant, comment ça s'appelle déjà ? Nouveau départ ? Nouveau départ. Voilà. Recoucou, alors il est 13h14, mon chéri vient juste de partir pour le travail. Je vais vous montrer ce que j'emmène dans mon sac à dos pour aller chercher ma fille à l'école. Puisque si vous ne me suivez pas déjà, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais je n'ai pas le permis. C'est quelque chose que je n'arrive pas à avoir dans ma vie. Autant j'ai pu réussir plein de choses, autant je n'arrive pas à avoir le permis. Ça fait 5 fois que je le loupe et là je vous avoue que je n'ai pas envie de le repasser dans l'immédiat. Parce que voilà, j'ai déjà essayé 5 fois. Et au bout d'un moment, bah, j'en ai un peu marre, j'ai envie de penser à autre chose que ça. Du coup, je vais vous montrer ce que j'emmène dans le sac à dos, puisque ce sont mes parents en fait qui vont venir me chercher et qui vont faire l'aller-retour pour moi. Donc on y va ensemble, hein, bien sûr. Mais bon, ça leur fait aussi l'occasion de voir un petit peu leur petite fille. Bien que ce soit pas leur petite fille biologique, mais c'est vraiment tout comme. D'ailleurs, je ne vais pas trop traîner puisqu'ils arrivent dans environ un quart d'heure. Normalement, on part de chez moi à 14h. Mais là ils vont venir encore un petit peu plus en avance parce que l'on veut vérifier quelque chose avec mon père à propos d'un article que je veux donner. Du coup bref, c'est parti, je vous montre ce que j'emmène dans le sac à dos pour le trajet aller et pour le trajet retour avec ma fille. Alors j'emmène une gourde comme ceci avec de l'eau, je vais d'ailleurs aussi remplir celle de ma fille. Celle-ci c'est la mienne, en général j'en prends deux, on ne sait jamais. De la compote, donc ça c'est pour son petit goûter. Là-dedans, il y a 2-3 petits biscuits, quelques noix de cajou, ce genre de choses, voilà, pareil pour le goûter. Ici, j'emmène 2 livres, il me reste vraiment pas beaucoup de pages à lire sur chacun, donc ça me permettra de pouvoir lire en voiture, parce que oui, je lis en voiture, ça ne me dérange pas du tout. Et là, on a mon bullet journal avec le petit stylo, d'ailleurs une vidéo arrivera bientôt sur mon bullet journal. Bon, là, c'est son petit bracelet, parce qu'elle adore le porter, donc je me suis dit qu'elle pourrait peut-être en avoir envie, voilà, je l'emmène au cas où. Un livre pour elle. Alors il faut savoir que ma fille adore qu'on lui re-raconte les dessins animés qu'on a regardés. Mais vraiment mot à mot quoi, il faudrait qu'on lui dise tout le film. Et là justement ce livre reprend absolument tout le film, mais vraiment mot pour mot quoi, les dialogues et tout. Donc je pense qu'il va lui plaire. Je l'ai trouvé dans mon petit magasin d'occasion hier et j'ai payé 3 fois rien. Là c'est un album photo que j'ai fait pour elle, donc je vous le montre pas parce qu'on la voit dessus, mais... Voilà, je l'ai fait pour elle, donc je me suis dit je vais l'emmener, ce sera sympa, on pourra regarder en voiture si elle a envie. Là pareil, ce sont des photos d'elle quand elle était petite. Et là aussi, ça c'est quand elle était bébé, c'était carrément à la maternité. Donc voilà, on aura de quoi faire. Je vais juste rajouter, comme je vous disais, sa gourde. Et normalement c'est tout. Tout rentre dans ce petit sac à dos que mes parents avaient trouvé chez Noz complètement par hasard. Du coup il l'avait pris pour moi et vraiment je le trouve génial parce qu'il est tout petit. Du coup il est super pratique quand je veux juste me balader ou aller faire une petite course, que j'ai pas envie d'emmener trop de choses, mais qu'en même temps j'ai besoin d'emmener ma gourde d'eau parce que je bois tout le temps, un petit livre, mon bullet journal, ben voilà, je peux tout mettre dedans, il reste très léger, il se ferme comme ceci, vous voyez, avec le petit crochet. Et il est super pratique quoi, tout simplement. Bon, je suis dans la voiture avec mes parents. Tout à l'heure j'ai oublié de vous montrer, mais j'emmène aussi mes petites lunettes comme ça anti-lumière bleue pour pouvoir faire du montage. Et là je me suis occupée notamment de faire la miniature d'une vidéo pour pouvoir la publier. Donc c'est un instant vlog tout simple d'une journée dans ma vie. Normalement vous l'avez déjà vu si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous me suivez puisqu'elle a été publiée avant. Voilà, donc là je vais voir, soit je vais lire, soit je vais faire un petit peu le montage de cette vidéo en fait que vous regardez. Voilà, en tout cas j'ai de quoi m'occuper et puis je reprendrai peut-être un petit peu plus tard du coup.
bon, il est 22h, Lilia est couchée depuis longtemps. En général, le week-end, c'est autour de 21h. En tout cas, c'est ce qu'on essaye. Sauf quand on a vraiment un truc prévu, mais quand on est à la maison, c'est à peu près ça. Et du coup, moi, j'ai eu le temps de faire toute la vaisselle une fois qu'elle était couchée. J'ai eu le temps de finir le montage en fait de cette vidéo jusqu'à maintenant. Là, je vais juste clôturer. Et puis, j'ai lu un petit peu et je vais continuer de lire jusqu'à ce que mon chéri arrive. Donc là, il est parti. Du coup, il devrait arriver vers 23h. Donc un petit peu plus tôt que d'habitude, parce que d'habitude, il finit à 23h. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. J'ai vraiment envie d'avoir vos retours sur cette vidéo parce que ça faisait un petit moment que je pensais la faire. Et ouais, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!